là maintenant, on se retrouve sur le stand de Longto avec François Longto. Bonjour. Merci, bonjour à toi. Bonjour, comment ça se passe alors aujourd'hui sur le stand? Très bien, ça fait 3 ans qu'on attend ça, donc c'est un plaisir de dingue. C'est la première fois qu'on présente également nos rhums papillons sur le Rhumfest qui ont 3 ans, donc ça c'est très bien. Et un monde de fou, de super dégustations, beaucoup de nouveautés partout, essentielles, enfin chez nous aussi du coup. Et un public joyeux, et donc ça c'est très bien. Bon, c'est le Rhumfest quoi. Tant mieux, j'écoutais tout à l'heure des petites bouteilles un peu originales, tu peux nous en parler? Ouais, en fait c'est de la nouveauté alors qui sortira plutôt en fin d'année, mais on a choisi de la présenter au Rhumfest. On traite le sujet du bois d'une manière différente. On avait fait des parcellaires de canne, on fait du parcellaire de chêne. Donc on travaille sur du chêne français de 3 forêts différentes, forêt du Troncet, forêt de Dernay, forêt de Citeaux, avec du coup des activités biologiques qui sont distinctes et donc qui vont créer des bois différents, des nuances différentes, des grains différents, et on va avoir donc des 3 rhums différents. Pour avoir goûté, c'est vrai qu'on voit vraiment la nuance, il y a des tanins et le côté boisé vraiment différent. Selon la forêt, ça, ouais, on voit vraiment le travail complet du bois qui amène au rhum. Et le rhum à la base, ça c'est le même rhum. Oui, en fait on est sur une base de rhum vieux. En fait on avait fait donc il y a 6 ans maintenant, c'était une base de rhum à 50 degrés, 65% canne rouge, 35% canne bleue, qu'on avait mis dans des tonneaux donc français ex-cognac pendant 4 ans. Au bout de 4 ans on a tout rassemblé, on a tout réhomogénéisé et on les a mis dans 4 fûts différents. Donc c'est la même base de départ. Et ils ont passé 2 ans dans les 3 tonneaux de forêts différentes. Donc c'est un 4 plus 2 quelque part, donc c'est un 6 ans d'âge avec 3 styles et 3 identités distinctes. Ok, et un petit mot sur Papillon, des nouveautés apparemment j'ai vu. Oui, Papillon, des nouveautés, 2 nouveautés en particulier. Alors, 2 nouveautés pour la France métropolitaine, puisqu'en Guadeloupe on avait déjà le rhum vieux, donc une nouveauté pour nous Guadeloupéens qui est le rhum blanc à 53 degrés. Et puis effectivement, un petit changement packaging et puis justement la possibilité de pouvoir le présenter au public avec du coup, c'est l'idée de Papillon, hein, encore une fois, c'est 2 signatures différentes. Longto, on est sur une signature plutôt fine et plutôt fruitée. Sur Papillon, on aura une signature plutôt opulente et plutôt épicée. Ok, merci et bonne fin de salon alors. Merci à toi, profitez bien. Merci, à bientôt. Ciao. Bye.